N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On est arrivé au mois de septembre, tu vois. Cet été, j'étais en vacances, j'étais occupé, je nettoyais mes crocs, j'ai des châteaux de sable. Maintenant, mois de septembre, nickel banane, on est là! Ah oui, non, ça y est, là, j'ai repris mes fonctions. Mois de septembre, ça y est, on rigole plus. Les influenceurs, je suis à vous. Après chaque story, j'ai d'ailleurs mis ce plan en place. Je vais vous faire comme Bruce Lee à chaque fois qu'il mettait un KO. C'est-à-dire que je regarderai la caméra, je fixerai l'objectif droit devant moi et je vous dirai... Attention ce que vous allez prendre. Et la MIF, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais il faut d'abord se concentrer sur ça, ça, faut les faire un par un. » Non, faut tous se les farcir. Ils nous ont tous menti, ils sont tous foutus de notre gueule pendant un certain nombre d'années sur les réseaux sociaux. Ça suffit, ouais, c'est trop. Comme dirait mon ami Corse, oh, ils te prennent l'argent dans la poche. Eh oui, la MIF, même pour vos enfants, quel monde on va laisser à nos enfants? Quel monde on va leur laisser? Des mondes avec Maeva Guénam qui passe à la télé, qui dit « Oui, j'ai 21 ans, je vous présente un chirurgien, il vous refait une foufoune, vous avez la foufoune d'une fille de 12 ans, c'est magnifique. » C'est vraiment ce monde-là que vous laissez à vos enfants? Citez-moi un influenceur qui a partagé un bon plan dans sa vie, que ce soit éducatif ou sportif, pour la jeunesse ou l'éducation des enfants. Que de la merde, que des produits payants, que des produits qui servent à rien, que des produits, on en a rien à secouer. Ils arrivent pendant le ramadan avec leur marmelade qui sert à rien. Ils mettent une jus de la veille, commencent à dire « Salam alaikum, bon ramadan à tous !» Alors j'ai fait des briques, mais vous pouvez aussi les retrouver sur ce site-là. Et à partir de 1h30, ça fait de la lumière, machallah. Achetez-les! Ils vendent que de la merde, ils apportent rien, ni à la jeunesse. C'est même pas du divertissement, c'est de la merde dans sachet. Tout ce qu'ils font de A à Z, c'est de la merde. Et là, tous ces influenceurs de merde, quand ils commencent à voir que le vent commence à tourner, là, c'est plus le vent, il a tourné, là, c'est le bâtiment qui s'est effondré, ils commencent tous à avoir le même discours. Mais vous savez, nous, sur les réseaux sociaux, on partage des plans, mais si vous les trouvez moins chers ailleurs, vous pouvez y aller. Mais nous, on n'est pas responsables, on fait des partenariats. Ferme ta gueule, t'es responsable. T'as qu'à faire comme moi, tu fais 18 km pour tester si le sandwich il est bon. C'est tout, tu vas nous raconter tes trucs. Les gens, ils sont là, ils s'enferment à Dubaï. Oui, non, mais les placements, non, ça, je fais pas, ouais. Non, non, ça, je fais pas. Tu veux une pub? Ouais, c'est 3005 payé d'avance en PayPal. Tu la rappelles pourquoi ta papa fait la pub? Mais t'es malade, toi. Hey, je t'ai déjà fait ta pub, sois content, pauvre con. Et bah, cette époque-là, c'est terminé. Eh ouais, poto, c'est terminé. Vos émissions de merde, là. Les Marseillais versus les culs cassés. Remettez-nous premier baiser, le miel et les abeilles avec Lola. Je préfère que mes enfants regardent ça. À choisir entre les deux, je vous promets, je préfère qu'ils regardent. Premier baiser, ça ne s'oublie pas quand c'est la première. Remettez-nous Gérard avec son débardeur et qui fait des trucs. Voilà, je préfère regarder ça. Vous nous ramenez des meufs, l'autre elle pue du cul, l'autre elle a des MST, l'autre elle a encore de la coke sur le nez, l'autre il arrive, il fait un rail derrière les coulisses, il arrive. Yo papa! Alors, qui c'est qui va gagner cet épisode? Allez, va faire un brushing à tâton. J'ai trop d'affaires, je vais mourir. Regardez qui je croise à l'aéroport. Tcha-tcha! Ça rentre à Dubaï? Regardez qui je... Je sais pas comment j'ai fait, je suis arrivée 40 minutes avant. Ah, ça c'est une erreur lors de timing, vous avez mal regardé l'horaire. C'est une erreur d'horloge ça, parce que vous avez mal regardé. Bah, je suis jamais trompe pas. Expliquez-moi comment je vais faire pour mettre mes 4 valises qui font plus de 30 kilos ici. Je suis sûre que ça va pas rentrer et toute seule. J'ai pas de force. Je vais mourir, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me suicider. Ça, je déteste voyager seule. Regardez, c'est mon sauveur. Il m'a aidé avec mes valises. Merci, t'es trop gentil. Regardez, c'est mon... Au début, j'ai perdu un AirPod. Du coup, j'allais m'en racheter. Mes bébés, je suis explosée. J'ai dormi une heure. Mon cerveau m'a en train de disjoncter. Là, j'ai qu'une seule attitude dans l'avion. Et de dormir. Je suis trop fatiguée, j'ai passé la nuit à parler. Oh là là, j'arrive même pas à faire les bougies.
dire à quel point je suis crevée, je suis explosée. Mais j'ai trop hâte d'arriver à Dubaï, là, de voir mes enfants, ils m'aiment trop. Oh. We recommend wearing a seatbelt at all times throughout the platform. Aïe, mes voitures, elles m'ont trop manqué. Vite, je vais voir mes enfants. Aïe, mes voitures. Aïe, mes bébés d'amour. Aïe, mon fils. Aïe, mon fils d'amour. Ernest. Aïe, mon bébé. Barbara. On fait les émotions, là. Aïe, maman. Et toi, tes poils, ils ont poussé, mon Dieu. Mon Dieu. Tous tes poils, ils ont poussé là, à mon bébé. On verra un doudou ensemble. Aïe, mon bébé. Tu m'as trop manqué, maman. Promis, je te lâche plus aussi longtemps. Tu m'as trop manqué, maman. Promis, je te lâche plus aussi longtemps. Ma boulette, c'est la boulette de sa maman. Ma boulette. Je vais avoir une surprise. Regardez. J'ai plein de cadeaux. J'ouvre lequel en premier? J'ai envie d'ouvrir lui. Je vais préparer une... tomber dans les pommes. Je crois que c'est... ça va être mon cadeau préféré. Attendez. Je vais tomber dans les pommes. Je vois la couleur. Oh my god. Il est incroyable. J'arrive même pas à le sortir. Il est incroyable. Regardez. Oh. Oh là là. Oh là là, il est trop beau, je l'aime trop. C'est des Anna Magi, on t'a dit. Oh, elles sont trop belles. Je les voulais trop, cette couleur. C'est des Anna, c'est quoi? Elles sont trop belles. J'aime trop. Assorti au sac. C'est quoi? Et là, je reconnais, c'est des Travis. Oh, je les aime trop, elles sont trop belles. J'aime trop. Et là, oh, je sais pas c'est quoi. Oh, ça tue. Pour mettre mes montres. Une boîte à montres Rolex. Moi, je sais pas si on l'ouvre. Mais oh my god, ça tue. Oh. C'est vraiment incroyable. Hein. On va le ranger avec ses frères et sœurs, mais je crois que j'en ai trop. J'ai plus de place. Hein. C'est mon préféré. Où est-ce que je le mets? Ici avec les roses. Je sais pas où le mettre. Ici.